Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je fais une vidéo tuto, donc zombie. Alors pour commencer j'ai pris un vieux débardeur pour le déchirer, voilà. Donc c'est important de prendre un vieux vêtement parce qu'on va utiliser du latex qui tache les vêtements, donc faire bien attention. Ensuite j'ai mis des lentilles de contact de couleur blanche, voilà, pour faire un effet zombie. Donc là un œil, deuxième œil, voilà ce que ça donne. Ensuite bah, j'ai mis un peu de lac dans les cheveux, pour pas que ça aille sur le front. Donc on va utiliser du latex, donc pas de cheveux ni de poils, voilà, faire attention. Ensuite je mets un peu d'anti-cerne. Ensuite je mets un peu de crème hydratante, voilà, sur tout le visage, donc c'est bien pour le maquillage. Je mets un fond de teint assez pâle. Donc j'en mets sur le visage mais aussi sur le corps. Voilà. Ensuite, je vais appliquer du latex liquide. Donc, j'en mets sur le visage. Bon, ça pue. Voilà, c'est ma tête. Donc, j'utilise une éponge pour appliquer. Donc, évitez les poils et les cheveux parce qu'après, vous allez faire une épilation. Évitez aussi, bien entendu, les yeux. Donc, c'est un produit toxique et provoque des allergies. Donc, essayez une semaine avant sur votre bras, un petit test pour voir si vous supportez, vous n'avez pas d'allergie. Donc voilà, donc je fais plusieurs couches au niveau du visage. J'en ai mis un peu sur le front, là sur la mâchoire, parce qu'en fait j'ai envie de fendre la mâchoire. Voilà, faire une grosse cicatrice. Donc là je mets plusieurs couches du coup. Je le remets un petit peu sur le front, parce que j'ai envie de faire des trous. Voilà, quand ça va sécher, ça va devenir transparent. J'en mets un peu sur le cou aussi. Sur le torse parce que je vais faire des trous aussi. Et sur l'épaule gauche aussi je vais faire des trous. Donc on applique bien en épaisseur. Vous pouvez aussi mettre du mouchoir, donc des feuilles assez fines. Et remettre ensuite du latex par-dessus pour faire des petites couches de peau. Ensuite, utilisez un sèche-cheveux pour aller plus vite si vous voulez. Sinon, vous pouvez attendre environ 10 minutes quand c'est assez épais. Sinon, ça sèche assez vite. Ensuite, j'utilise un ciseau, mais vous pouvez prendre une pince à épiler. Donc, pour retirer un petit peu la peau. Enfin, le latex, pas la peau, la fausse peau. Voilà, donc vous pouvez faire des petits trous. Donc là, on voit que j'ai mis mouchoir au niveau de la mâchoire pour faire de l'épaisseur. Et là, je vais recouvrir encore de fond de teint. Pour que le papier soit de la même couleur que la peau en fait. Voilà, donc je fais pareil sur le corps, du fond de teint. Donc là j'utilise un crayon noir donc pour faire à l'intérieur des blessures. À l'intérieur de la mâchoire fendue, là. Donc ça fait un effet de profondeur. Ensuite, au niveau des trous du torse, je fais pareil. Et aussi au niveau de l'épaule. Donc là, j'ai pas encore de trous, donc c'est facile. Hein, vous utilisez vos ongles ou une pince à épiler, vous... retirer. Donc là j'ai mis aussi des mouchoirs, donc ça se voit. Et là je mets du noir à l'intérieur, donc pour faire les trous. Ensuite j'ai utilisé des couleurs rouges, donc fard à paupières, fard à jour rouge, vous pouvez utiliser de la poudre. Et en fait je vais un petit peu tamponner sur les cicatrices, voilà. Et dépasser bien entendu pour que ça se fende bien avec le reste de la peau.
Voilà, donc vous appliquez, vous pouvez utiliser des tons violacés, des teints rouges, rosâtres. De toute façon, après, je vais réappliquer un petit peu de poudre blanche hein, par-dessus. Voilà, donc là, ça fait un côté rosé. Donc là, j'ai mis un peu de violet, de rouge, de rose. Donc, faut en appliquer pas mal quand même. Donc là, je remets un petit peu de fond de teint ou de d'anti-cerne. Hein. Voilà, comme ça fait un peu plus naturel, on voit moins la délimitation. Donc là, je vais faire quelques veines, donc au crayon violet, vous pouvez utiliser aussi du bleu ou du vert. Ensuite, du crayon rouge au niveau du contour des yeux, pour faire un effet un peu ensanglanté. Et là, je vais mettre de la poudre blanche sur le visage et le corps, donc pour faire un teint plus pâle, comme je suis mort, donc il faut faire un peu une peau de cadavre, donc l'éclaircir au maximum, c'est pas évident avec de la poudre. Ensuite, là, je vais faire un peu de gris autour des yeux pour faire les yeux très fatigués. Voilà, et aussi au niveau des joues, donc pour creuser les joues. Voilà ce que ça donne. Donc, ensuite, je vais faire un petit peu d'ombre au niveau du corps. Donc, pour que j'ai un corps très très maigre, je vais faire les côtes, là, la cage thoracique. Voilà, donc vous utilisez du gris par exemple. Et vous estompez avec les doigts. Donc là, je retire un peu le latex. Voilà, pour avoir un peu la peau décollée, entre guillemets. Et je fais pareil aussi au niveau bah, du torse. Et je fais aussi au niveau des épaules. Et je remets un peu de crayon noir. Pour faire ressortir un petit peu la profondeur, voilà des trous, donc vous voyez. Donc là, je vais appliquer un peu de rouge au crayon et je termine par le faux sang, donc la partie la plus drôle, la plus amusante à faire parce que c'est vraiment amusant parce que ça coule comme du vrai sang. Bon, c'est un faux sang de très mauvaise qualité, donc ça craquelle au niveau du séchage. Après, vous pouvez utiliser le sang pour vos vêtements, donc voilà, c'est bien, vous pouvez vous salir. C'est un zombie, il doit être dégueu, donc vous faites ce que vous voulez. Donc là, j'en ai mis un peu partout. Après, on peut en mettre moins ou plus, hein, c'est selon vos envies. Donc j'en ai mis sur les blessures. Voilà, donc c'est très amusant, vous voyez, ça dégouline. Je m'amuse vraiment comme un fou avec ça. Voilà, donc j'en ai mis un petit peu au niveau des lèvres. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est faire les lèvres un peu plus violacées, donc avec des couleurs violettes. Donc voilà un petit peu le résultat. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai mis à peu près une quarantaine de minutes pour faire ça. On peut mettre beaucoup plus de temps et faire un effet encore plus réaliste avec des couleurs encore plus naturelles. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à bientôt sur ma chaîne, salut!